Le Musée Café ouvrira ses portes le 15 décembre prochain. Esprit Plus en a profité pour rencontrer le propriétaire et visiter les nouvelles installations. C'est un retour à une vie plus normale après une année et demie presque là, de misère, de problèmes, de que ce soit de tout bord, tout côté, là, parce que quand tu travailles pas, ben, ça apporte d'autres problèmes. Puis toute la tragédie, la peine de tout ça. Là, je me dis, bon, pour moi, ça me dit, bon, je m'en viens. Là, je vais pouvoir tourner la page d'une façon. Je ne vais pas oublier. Là. Pour les gens de Lac-Mégantic, ben, y en a beaucoup qui me le disent, ça représente... une renaissance aussi, la ville qui continue, qui revient sur ses pieds. Plus parce que l'année passée, ça a été dur, il n'y avait pas grand-chose d'ouvert. Il manquait beaucoup de commerce. Là, on s'en vient avec la promenade Papineau, moi qui vais ouvrir, le métro qui a ouvert il n'y a pas longtemps, le pont. On est en train d'oublier cette partie-là. C'est plus moderne, mais en même temps, on a gardé une touche qu'on avait dans l'autre, beaucoup de bois, de boiserie. Le côté de fenestration, moi je l'aime beaucoup, là, qui fait moderne, mais il y a un petit peu de papier dans les vitres, on ne voit pas au complet, là, mais c'est une vue 360, là, c'est ouvert. Le mur du mémorial, c'est quelque chose qu'on a pensé dès le début. On a dit, bon, il va falloir penser à mettre quelque chose à quelque part qui va faire comme un endroit que les gens vont pouvoir se recueillir, comme on pourrait dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui vont venir ici dans les prochaines années. En termes financiers, ça n'a pas été facile. On est encore là-dedans. C'est pas tout à fait réglé à 100%. Il y a eu un apport personnel de moi, de mon père, l'argent des assurances. Il y a aussi eu de l'aide de la sécurité publique. Mais c'est encore là, c'est pas réglé, encore les montants. Il va y avoir de l'aide là. Il y a le Développement économique Canada, qui appelle le DEC. Qui vont participer aussi au projet. Il y a le Fonds Avenir Mégantic, que les gens ont donné de l'argent partout au Québec. Beaucoup de monde de l'Estrie, de Sherbrooke, qui nous supportent. On les remercie beaucoup. Puis c'est pour ça qu'on est là. Sinon, si on n'aurait pas eu de support, on ne serait pas ici aujourd'hui. Puis tout le monde va être le bienvenu à venir voir ça quand une fois que ça va être ouvert pour le grand public. Après la charge émotive qu'a entraînée la tragédie de Lac-Mégantic, la réouverture du Musée Café représente un nouveau départ pour les Méganticois. C'était Sarah Pomarchiquette pour Estrie Plus.com.